Allez, bonsoir à tous, c'est Cocor et je vous retrouve ce soir pour notre live hebdomadaire sur Dark Cloud, alors que ça, ça loot déjà, le site ne perd pas le temps, alors que y a pas de message dans le chat, c'est très étrange, mais pourquoi pas. On poursuit voilà, notre série sur Dark Cloud, on est toujours aux galeries du temps, on va peut-être un jour finir ce donjon, je ne sais pas, sauf si je suis plongé dans un sommeil éternel qui m'empêche de finir le jeu. On en était donc à l'étage 23, on était dans les étages de la restriction où on va, je pense, jouer tous les personnages tour à tour. Il y en a avec qui ça se passe très bien, d'autres où c'est différent. Donc du coup, voilà, on reprend étage 23, 356 ans dans le passé, donc techniquement il reste 44 ans. Donc je pense qu'on arrive à la fin du donjon. Donc on va voilà jouer une heure, voire deux, si on a le courage. Avant de passer ou non sur, sur Into the Breach. Donc, continuer. Nous en sommes à Moult. 38. 38h13. Le château noir. La galerie du temps. Les couloirs du temps. Perorus et Pera. Et personne vit tous. Tous ces. Alors, est-ce qu'on a de quoi partir? On n'a pas beaucoup de Gildas, donc autant dire que pour les pierres précieuses, c'est mort. On a notre poudre de réparation, on a une amulette de chaque, je crois que je vais les vendre, parce qu'au final, je m'en sers jamais de ces amulettes. Maintenant. Donc, on est reparti. Alors, je crois que le dernier étage, c'était Rookarnite en restriction. On va voir à qui le tour. Giveaway de la semaine sur Avadon 2. Toujours 200 coco avec 100 sous streamlabs, voilà, encore 0 sur 0, donc encore un étage restriction. Voilà, je pense que ça doit être l'étage à Gogoro Migurun qui a pris les aiguilles et qui s'est vite cassé. 5 ennemis tués. On a connu mieux. Et bah c'est Manière, oui, on l'avait pas fait, c'est vrai. Donc voilà, restriction en raison d'une force mystérieuse, il n'y a que Manière ici. Aucun autre personnage n'est disponible. Ça commence les embrouilles, un pic, un carreau, je crois. C'est ça. Si vous pouvez me laisser le temps de le frapper. 57 dégâts, faudrait que je fasse gaffe. Hein. Ah, alors que j'ai pas de poudre d'auto-réparation, c'est assez dangereux. Donc pour la peine, on va aussi prendre un fromage, s'il m'en reste. Il me reste plus. Ah, d'accord, je suis parti sans objet de soin. En même temps, je crois qu'on avait fait les courses et que le problème de ces courses, c'était que, bah justement... on a acheté autant de soins qu'on pouvait avec ce qui nous restait. Bon, lui, il a l'air de jamais se protéger, finalement. Donc, on va le bourrer. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Et puis, je crois que c'est lui qui nous avait attaqué, donc... voilà. Et lui, on va lui mettre une balle toutes les 20 secondes. On le vit bien. Ah, et puis, je recharge, en plus. Allez, on répare. Ah bah on va jouer à 1, 2, 3 soleil hein. Oh c'est une purge. Moins de cartes hein, s'il vous plaît hein, dans cet étage. Mais si j'appuie pas, j'ai même pas le temps de tirer une balle, il se met en défense quand même. En fait, faut que je l'ai au retour de... Faut que j'anticipe un peu son retour en position non défensive. prends le pognon. Hein. Faut aller là-bas. Je sens mieux le cul-de-sac de ce côté. Un coffre. Du fromage. Du fromage. Attaque plus 3. Tant pis. Et j'ai très soif. Oh non. Oh, les cœurs, ils attaquent à distance. Bon, eux, l'avantage, c'est qu'ils se mettent pas en défense. Ils se mettent pas en face cachée. Bon, on peut bourrer. Mais pas trop près. Ça va bien plus vite. Ok, donc là, il nous faudra la clé. Très bien. Et j'ai vraiment trop soif.
On va bien voir parce qu'on n'a pas beaucoup de soins. Ça compte perdre des points de vie là-dessus. Le cristal magique. Un carreau. Je crois qu'il se retourne pas lui. Par contre, on peut pas rester trop près. Un cœur, fais attention. On n'a pas profité pour nous attaquer à distance et c'est tant mieux. Et merci Mala pour le host. Alors que mon arme va se péter. Bienvenue à toi et à tes viewers. Comment ça va? Est-ce que tu t'es bien reposé? Le pognon. Oh là là. Non, le joker ça va, il se met pas trop en défense j'ai l'impression. Peut-être parce que justement il m'a lancé une attaque. Voilà, et là si je le laisse pas m'attaquer, ça met 20 ans. Ouais, c'est le pic le pire en fait. De rien, désolé, j'ai stop il y a un moment. Bah, y a pas de soucis. Tu fais les horaires que tu veux, je ne t'impose rien. Ah! Je recharge, tout va bien. Ouais, faut que j'anticipe un peu en fait. Hein. Ah, bah oui, mais si je recharge, ça le fait pas. Ah! Ok. Une clé ténébreuse pour aller tout là-haut. Pour faire du beau backtracking. C'est en face. Trèfle. Est-ce qu'il protège le trèfle? Non, ça va. Il est encaissé. Un petit peu quand même. Hein. Ah, c'est. Je lui ai dit encaisser, il s'est souvenu qu'il pouvait faire ça. Ok. On va bientôt réparer. Ah tiens, je vais aller me soigner. Ça me paraît être une bonne idée. Allez, on répare. Hop. La carte. On avait passé la sortie sans l'avoir. Agilité plus 3. On va retourner vers la porte. On n'a pas eu les aiguilles encore. On peut pas encore aller au niveau suivant. Mais pour l'instant ça se passe bien. Pas fermer l'œil de la nuit, je suis HSA, navré pour toi. Je t'invite à te tourner vers Ayoata qui s'endort en 2 minutes. Je suis un peu HS mais voilà, en même temps j'ai pas dormi des masses, mais il n'y a pas que ça, je pense. J'ai pas mal forcé aujourd'hui, je pense. Ah ben, je suis con, je peux traverser. C'est moi où la caméra elle est encore bloquée. Qu'est-ce qui se passe avec ce joystick gauche depuis dimanche? Ah, pas... Non, bah oui, j'avais esquivé, puis je retourne dessus.
Le plaisir de souffrir. Non, c'est pas ça. Attaque-moi là, voilà que tu. Histoire que t'arrêtes de parer un peu. Mais j'ai même pas tiré. Ah. Voilà, là il attaque. Ah ouais, mais maintenant je recharge. Tout va bien.